Oyez, oyez, citoyens, citoyennes, voilà, regardez là, on sort du commissariat de la gare d'Aulnay. On sort du commissariat. Regardez là, Pierre-André Durand, c'est le préfet de la Seine-Saint-Denis. On était dans l'obligation aujourd'hui de porter plainte contre le préfet de la Seine-Saint-Denis. Regardez, agent judiciaire et tout, etc. Voilà, regardez, politique, voilà, mobile. C'est politique, tout ça c'est politique. Voilà. À un moment donné, il faut qu'on arrête de. On arrête de se faire marcher dessus. Il faut qu'on arrête de se faire marcher dessus. Il faut qu'on se mobilise. Là, franchement, je ne vais pas vous mentir, je suis fatigué. Ouais, vous voyez parfois faire des vidéos, faire des mobilisations. Voilà, vous voyez la tête haute. Parce que c'est important de garder toujours le sourire, même en temps de guerre. Mais psychologiquement, ça touche. Voilà, lorsqu'on se dit que pendant un an, on a travaillé en ministre. Pendant 10 ans. On a pu travailler en municipalité, faire un gros travail de fond, un travail intelligent pour la jeunesse alnésienne. Lorsqu'on mène des actions citoyennes par le biais d'une association, on peut se faire révoquer alors qu'on a effectué 10 ans de loyer au service par rapport à des actions citoyennes. Je défie quiconque de venir me dire qu'on a été réfractaire à la concertation, à la discussion. On a envoyé plus de 15 mails à la mairie, on a toujours essayé de trouver des solutions pour le bien des habitants. Pour être à l'écoute des habitants, pour faire valoir les droits des habitants. Et aujourd'hui, cela m'a valu une révocation. Ils n'ont pas révoqué Adama Traoré. Ils ont pointé du doigt toute la population qui nous a sollicité pour avoir juste un accompagnement pour faire valoir leurs droits. Elle est là la réalité. C'est-à-dire, lorsque moi je porte plainte contre le préfet de Seine-Saint-Denis, M. Durand, c'est pas Adama qui porte plainte. C'est toutes les personnes qui suivent le mouvement La Révolution est en marche qui portent plainte contre le préfet de la Seine-Saint-Denis. Car comment le préfet de la Seine-Saint-Denis peut ordonner au maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois une révocation? Je ne sais pas. Le préfet n'a aucune autorité auprès du maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Que je tiens à rappeler, c'est le 50e maire de ville de France, 3e du département. Ce n'est pas un petit maire d'une petite ville de province. Comment ça se fait que le préfet de Seine-Saint-Denis, avec tous les problèmes qu'il y a, comment il peut s'attarder sur M. Traoré Adama? Je suis qui? Moi, je suis qui? Adama Traoré, c'est qui? Je suis un petit jeune d'un quartier de la ville d'Aulnay-sous-Bois qui s'appelle Les 3000, qui un jour s'est réveillé, s'est dit, je vais être un citoyen. Donc aujourd'hui, on me reproche le fait d'être un bon citoyen, d'être proche de mes habitants, d'être proche de mes voisins, d'être à l'écoute de mes voisins, d'essayer de trouver des solutions, d'essayer de mettre mes compétences personnelles, c'est-à-dire, mon souci du résultat au service de la population. Eh bien, aujourd'hui, on porte plainte. Voilà, là, on a eu la plainte. J'ai mis exactement plus de 2 heures. Voilà. Regardez, regardez, politique. Regardez, c'est politique. Voilà, monsieur Durand. Voilà, André Durand. Voilà, brigadier. Nanana. J'ai porté plainte. Regardez, monsieur Traoré Adama. Nanana. Ville peinte. Seine-Saint-Denis. Voilà, j'ai porté plainte. Si j'ai à apprendre. Eh, il fut un temps quand j'étais jeune. La vérité, j'étais un délinquant. Je ne voyais jamais la police. Depuis le 1er janvier que je mène des actions citoyennes, j'ai jamais vu autant la police que ces derniers temps. J'ai jamais porté autant plainte que ces derniers temps. Avant, j'avais jamais porté plainte de ma vie. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, en France, lorsqu'on veut faire des actions citoyennes, lorsqu'on veut être un bon Français, comme ils nous le disent toujours à la télé, eh bien, on a des problèmes. Mais lorsqu'on est un délinquant, un voyou, un brigand, on n'a pas de soucis. Et c'est incroyable. C'est incroyable aujourd'hui comment ils veulent nous laisser cloîtrer dans nos quartiers à vendre de la drogue, à être des voyous, à être des délinquants, à rester dans notre merde. Cette époque-là, elle est finie. Et je sais très bien que cette plainte-là, ça se trouve à me causer des gros problèmes. Car j'ai porté plainte contre le préfet de la Seine-Saint-Denis. C'est pas n'importe qui, c'est l'État. Je le sais. Mais j'espère vraiment que toutes les personnes qui soutiennent au quotidien sur la page Facebook La Révolution est en marche vont me soutenir. Franchement, j'ai besoin de soutien. Je peux pas mentir, je suis fatigué. Mais je garde la tête haute. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin du mouvement La Révolution est en marche. Je le sais, c'est une réalité. Je le sais qu'on est en train d'écrire l'histoire. Je le sais très bien. Je vois par rapport aux actions qu'on met en place, les résultats qu'on a et tout, etc. Je sais très bien qu'on est en train d'écrire l'histoire. Quand je dis on, c'est nous et la population de toutes les personnes qui nous suivent. Aujourd'hui, on est près de 30 000 personnes à suivre le mouvement La Révolution est en marche. Faut mentir. Des fois, ça fait mal. Je suis fatigué. J'ai envie de tout plaquer. La vérité, des fois, je viens de plaquer. J'ai dit, vas-y, laisse tomber Adama, prends-toi par la tête. Reviens dans ta vie d'avant, où tu étais bien, dans ton petit paftard, avec ta femme, tes enfants, t'avais ta petite vie tranquille, pépère. Par an, je voyageais 2 fois par an, minimum. Mais au final, c'est pour être dans un cercle vicieux.
pour être centré sur moi-même, pour être une victime de ce système-là. Personnellement, c'est, pour moi, c'est fini cette époque-là. Moi, personnellement, c'est, moi, je vois l'intérêt général, je vois le savoir-vivre ensemble, le faire ensemble, gommer les inégalités sociales. Et à un moment donné, ces personnes qui ont détiennent un certain pouvoir, qui se trouvent au-dessus de la norme, cette époque-là, à titre personnel, elle est finie. Et voilà, là, la plainte, elle est là. Franchement, j'ai mis plus de 2 heures au commissariat. Franchement, là, il faut que tout le monde se réveille. Il faut un réveil citoyen. Donc là, exactement, il m'a dit la date, c'est... Bah, 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 j'ai oublié la date, mais je vais aller ensuite voir le médecin que le policier m'a octroyé, à Jean Verdier, où voilà, ils vont vraiment voir mon état psychologique, parce que la vérité, je suis touché. Mais c'est comme ça. On garde toujours le sourire, même en temps de guerre. On garde toujours la tête haute. On fait toujours montrer à ces personnes-là que même s'ils veulent nous toucher, ils ne nous toucheront jamais. Parce que quand tu as des convictions, tu sais où tu vas. Donc la révolution est en marche, c'est juste pour vous informer que ça avance de tous les côtés. Et que personne ne pourra l'arrêter. Merci beaucoup, merci à tous. Je vous parle du fond du cœur. Merci pour tous les soutiens, tous les appels, tous les SMS. Et voilà, dites-vous bien, la révolution, c'est la population, c'est pas Adama Traoré. Et ça, j'ai toujours dit, comme on dit, il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Que l'avenir qui nous dira si moi, dans ma façon de faire, je change. Et ceux qui me connaissent, je ne change jamais et je vais toujours au bout de mes délires. Ciao, la révolution est en marche. Ciao.